yo mare, pie, mare, me, cloure, pitre, haïtien, yo, sous avion, quand t'es même pas là, si on peut dire, non, tu vas y aller, 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 choqué tout le monde, qui est monde, à l'échelle mondiale, choqué par traitement inhumain, traitement, malveillant, yo bail, migrants haïtien, yo, parce que yo c'est quoi? C'est un gouvernement raciste que l'Amérique a gagné par rapport à migrants haïtien, yo. Nous dit que cette passée, c'est un bon ouïe, on s'a choqué. Si vous avez dit, yo, citoyens, on prend la rue, pour yon dit, que yon comprenne, chouette, que banana libre, c'est ce qu'on a fait là. Fait que les joué, fait bien tout le monde fait, pendant que pour l'instant, les migrants, les haïtiens, achetés de votre côté, vous êtes en tête ouverte de vos esclaves. Donc nous là, pour protester contre mon premier traitement, et au bail, pour votre tout yo, pour le racisme cynique, responsable américain et pour le gouvernement américain par rapport à. Et tout yo, tu veux ça nous dit non. Vous dites que faut que nous les campés, faut que les pays sortent en bas de l'obédience américaine pour que le pays connaisse haïtien qui a décidé qui ça peut faire. Mais c'est ça, nous dit tout haïtien, nous vous sommes mon ordre. Mon ordre, les campés, pour nous prendre des idées nationales. C'est ça. Le professeur José Mérier, est-ce que vous ne pouvez pas porter aucune critique par rapport à comportement dirigeant haïtien? Parce que dirigeant haïtien n'a pas qu'à réagir parce que c'est bien qui est patron. C'est bien qui est pété, c'est bien qui est patron. C'est ça qui fait que je ne peux pas réagir. Je ne peux pas réagir parce que l'Amérique n'a pas autorisé à réagir. Donc maintenant, pour nous garder des dirigeants haïtiens responsables, grand monde qui va rester avec, qui va permettre que nous défendons l'intérêt paysan, nous devons dire des paysan et nous permettre que le pays après route. Tant que nous sommes les médias américains, tant que ce n'est pas décidé d'avenir nous, d'avoir toujours un pays côté, nous ne pouvons pas manger tout le pays qui vient d'affaire, nous ne pouvons pas vivre. Thank you.
dans le pays, dans quatre missions. Je dis à moi, c'est Maître Evans Sondjan, nous sommes représentants en Guinée-Bas. Je dis à Massa, nous prenons l'initiative ça, c'est en solidarité avec vos patriotes, nous, haïtiens, haïtiennes, qui victimes. Nous victimes parce que nous faisons une bataille. Vous savez, ok, pour permettre que le monde la liberté, pour bataille contre l'esclavage. Nous les deux nous comprenons mal pour le comportement USA avec nous, parce que je dis à nous faire battre Savannah, nous faire battre Savannah, nous permettre les États-Unis et l'indépendance des boulines. Nous bataillons avec les boulines de la l'indépendance. Nous bataillons pour pas qu'un pays dans le monde là. Je dis à c'est inacceptable et il n'est pas pour pays ça, les États-Unis, à traiter vos patriotes. Parce que je viole le principe déclaration universelle de l'amour. Nous sommes ce qui fait la logique pour faire solidarité avec tous les nous, nos compatriotes qui victimes des répressions, des racismes, les États-Unis. Je suis objectif de ça aujourd'hui. Donc nous invitons tous les haïtiens et je tiens à vous relever le gouvernement de ce pays. Nous disons, je tiens. Avec Guinée-Bas, de l'autre groupe, d'accord, même si on pas en ville, mais qu'en ville, bah, il y a un café. Ouais, ma terre, on sortit dans la rue, pour nous dire, Biden, il pas qu'on histoire ça. Et Haïti, c'est un pays qui a participé dans la guerre de Savannah, pour te permettre que, vous-même, je dis à vous, ça, oui. Napti Biden, c'est Haïti qui a débossé l'argent pour faire campagne pour vous. Je dis à, sous qui base, pour humilier, frère, nous, pour des gens qui ont 30 000 Afghans. Et nous-mêmes, nous disons, nous-mêmes, son bail qui est assez pour nous demander. Nous demandons à la communauté internationale, pour que ceux qui sont contre les États-Unis pour ça le faire, que nous demandons rapide, pour que les Haïtiens qui sont dans le pays prennent conscience que aujourd'hui, c'est nous participer avec les gens qui ont gazé la République. Et bien, nous-mêmes, nous demandons rapide application de la Constitution 1987 là, pour permettre que nous deux pays en président qui
qui capable de permettre que nous assumions ensemble le problème de la justice. La justice est raciste. Libo et caca. Biden c'est raciste. Libo et caca. Biden c'est raciste. Libo et caca. Je dis, les organisations prennent la rue pour exprimer la colère, l'indignation par rapport à un traitement raciste. Mauvais traitement qui baille à migrer haïtien parce que c'est noir. Biden et son équipe sont des racistes, même Jack Trump, qui ne parlent pas pour noir. C'est peut-être ça, je veux dire, nous voyons que yo a lancé les compatriotes dans le Texas, même les gens qui sont d'esclavage, nous devons chier à l'esclavage. Je veux dire, nous disons que si Haïti, tout dans l'enfer, Biden, toute équipe américaine, le gouvernement qui est passé, nous contribuons, papi a tout dans l'enfer. Un, en 1914, nous prenons la réserve d'or nous. Deux, nous gagnons une bonne et dirigeant et reste avec dirigeant corrompu volant des drogues qui ont imposé nous qui a travaillé d'intérêt américain contre le pays. Si bien tout l'enfer, vous pouvez se faire passer américain. Je veux dire, tout haïtien, ça doit prendre route aux États-Unis pour prendre des comptes qui ont été volés en 1914 pour demander tout le comptes volant dans le pays. Pour demander un compte, comment ça fait-il? C'est eux qui ont mis sur le pays qui ont imposé les dirigeants racketeurs volants devant l'intérêt. Je veux dire, par rapport à ce qui passe, nous indignés, nous agir. Je dis sur le 13 septembre, la défense américaine pour continuer à cacher colère nous. Pour nous dire que Haïti est un pays grand monde et nous, c'est Haïti qui reprend et c'est la main. Nous voulons que chapeau de foot qui sont américains, mais qui c'est moun lié. Ce qui passe là, que soit moun, depuis c'est moun ou yé, il faut que ça choque. Donc, tout foot comme moun, il est choqué, ça veut dire qu'il est au super bled. Pour mettre à nu les politiques criminels qui ont été établis par ici, pour dénoncer le gouvernement gang qui est là, qui a payé tous nos champs gangs. Et je veux dire, nous avons même réponse sur la gabaye, parce que c'est un petit monde américain.